nous écoutent. Bon, 3-2 pour les finalistes de 83. Sébastien Grosjean, service. Oh, le retour. Quel retour. Que diantre n'as-tu pas fait ça pendant ta période, la meilleure. Quel retour. Hop là, tout marche. Quinza. Vous imaginez qu'on le mette dans un western, là, jongler avec des cols, là. Ça marche aussi. Un côté Geronimo, là, aujourd'hui. Absolument. C'est bon. Ah oui, ça. Là, on s'adresse à un mètre au niveau du smash. La détente verticale, si besoin était, ce qui n'a même pas été le cas, Jean-Paul. Non, là, il n'en a pas perdu au gros sur le smash dans toute sa carrière. Il a cherché l'aïs, là, Sébastien. Désolé, madame. Vous avez affaire à un artiste. Ah, c'était bien vicieux comme il fallait. Ah, je peux pas la donner 10 fois. Elle lui dit allez. Et balle de jeu pour Sébastien Grosjean. Bien servi, bien retourné. Excellent retour. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'au niveau des placements, Wilander est peut-être celui qui est le plus affûté, oui. Le plus opérationnel physiquement. Quoique là, Yannick est allé la chercher. Oui, bien, oui. Il est vraiment très bien. Allez. Oui, Amélie. C'est bien. J'espère qu'il va courir beaucoup, Yannick. Comme ça, je pourrais lui mettre sa petite trempe au golf demain. Égalité. C'est un peu long ça, Jean-Paul. Oui, elle est derrière, il l'a légèrement prise avec le cadre. Le lift qu'il a imprimé à la balle, s'il avait bien glissé sur le cordage, la balle serait rentrée, mais là il la prend avec le cadre et hop, elle s'en va. 3 partout. Sébastien Grosjean et Amélie Mauresmo qui reviennent à hauteur de la paire Noah Wilander, les finalistes de Roland-Garros 83. Le coup droit d'Amé, encore un petit peu dans les décors. Amélie qui dit qu'elle prépare très sérieusement le marathon de New York. Ah oui. Elle ne va pas y aller en marchant. C'est son premier marathon, donc elle n'a pas des objectifs. Si, si, elle a des objectifs de faire un temps. 15. En tout cas, elle s'arrêtera pas. Hein. Non, ça ne s'arrêtera pas et je pense qu'elle veut impérativement être sous les 4 heures. Ça, c'est certain. Mmh. Et alors, on va voir. Yannick, il vérifie que le public est bien là. Elle est belle. Bien joué. Oui, monsieur Wilander. On s'aperçoit là quand même dans les échanges que Grosjean est encore plus près de la haute compétition que les autres parce qu'il est plus vif en général. Il est plus jeune et il a arrêté mai dernier.
frontale. De 4 jeux à 3 pour Amélie Mauresmo et Sébastien Grosjean, pardon. Il fait n'importe quoi. C'est un fou furieux. C'est incroyable. Ça y est, Matt s'y met. Il met 4 ans de la fois, Matt. C'est le net. Chaque fois. Mais attention, hein. Il a gagné hier, Yannick. Aujourd'hui, il n'a pas envie de perdre, à mon avis, malgré tout. Il est un petit peu émoussé par rapport à hier, tout de même. Hein. On sent qu'il y a eu le match d'hier, la soirée. Allez, on va marquer une petite page de plus très rapide et on revient ici du côté du stade Pierre de Coubertin pour ce match de légende. Entre les plus grands noms du tennis international, à tout de suite. Retour à Coubertin pour le trophée Jean-Luc Lagardère et ce double mémorable en direct auquel nous assistons, auquel vous assistez, avec d'un côté cet homme, Mats Wilander, associé à Yannick Noah, les deux finalistes de 83 pour la première fois jouent ensemble. Et c'est aujourd'hui devant les caméras de Direct 8 face à eux, Amélie Mauresmo. Cette immense championne, ex numéro 1 mondial, qui est associée aujourd'hui à Sébastien Grosjean. 4 jeux à 3. Quel retour pour Amélie et Sébastien. Quel retour. Et 15-40. Jeu. Noah Wilander. 4 jeux partout. Tiens, tiens, tiens. Un autre Suédois. Il y avait un service volé exceptionnel, monsieur. Stefan Edberg. Allez, Mats Wilander est au service. 4 partout. Qui va là? Allez, Yannick. Ouais. Oh. On est compte que Yannick. Ouais, bien joué, Amélie. Yannick, il faisait ça en match, hein. C'est lui qui a inventé ce coup-là, Flushing Meadow. Et ils sont peu nombreux à l'avoir expérimenté depuis en match. Hein. Il y en a qui le font, c'était à 100 euros par exemple. Oui, mais peu signes, nombreux. Hein. Ouais. Le public était médusé à Flushing quand il a fait ça. Vous rendez compte? Tu rentres pour important en plus. Allez, c'est bon. Ouais, Amélie. Allez, Mats. L'oblifté est un peu court là. Là, Wilander n'a pas réussi à nous faire une Wilander. Non, il a voulu lifter. Hein. Il va servir avant qu'elle soit prête. Hop là. Allez, oh, Mats. Bien joué. Oh là là, magnifique. Allez, ouais, faute. 15-30. Et toujours 4 partout. Ça monte en intensité, Jean-Paul. Eh oui. Belle interception. Trente. Ah là, il a voulu taper. Ah. Ouf.